time they thought that when it's all said and done, there's nothing left to do. They don't remember the nights or remember the stories where all the wishes come true. Now I don't need a reason for dreaming, 'cause I still keep those memories alive. If your heart is still beating, you know all your dreams will survive. A heartbeat away, just a heartbeat from yesterday. It's another day. Confirme 200 congédiements. Patrick, retournes-tu à l'école finalement? On a regardé notre grille pour l'automne. Si tu décides de rester, tu peux prendre une place à temps plein. Wow, merci beaucoup, patron. Mais j'ai pas encore décidé pour l'école. J'attends toujours ma date pour l'entrevue. Bon, bon. Laisse-moi savoir, mais prends pas trop de temps, hein? Disons une semaine, OK? OK. Une semaine. C'est pas bon signe. Les entrevues sont dans deux semaines. Ça dit rien, ça? Ça dit rien de bon, c'est ça que ça dit. Ben, peut-être que c'est parce que tu t'es déjà inscrit l'an passé. Ouais, mais normalement, c'est le contraire. Oui, mais t'es sûr que tu dois passer une entrevue? Je veux dire, moi, parce que je suis nouveau, là, mais... Toi, peut-être que t'es accepté automatiquement. Oui. Avec une année échouée. Quoique, avec les frais de scolarité qui ont augmenté, là, peut-être qu'ils cherchent du monde. C'est une blague. La boxe était un sport aussi populaire. Tu peux pas comprendre non plus. Y a rien à comprendre, t'as bien raison. Le seul talent que ça prend pour être boxeur, c'est pour pas avoir de cerveau. C'est bizarre, ça. C'est un sport de gars, pourtant. Pas de coups en bas de la ceinture, là, vous deux. Recommencez pas. C'est pas moi, c'est elle. Je connais pas de sport aussi dégradant. Pensez-y deux secondes. C'est presque animal. C'est un peu vrai, mais... Arrête donc d'être aussi sérieuse, là. On s'amuse un peu. Il paraît qu'un gars est mort déjà dans un combat au stade olympique, hein? C'est vrai, ça. C'était pendant un championnat mondial dans les années 70. Un des amis à mon père était là. Ça arrive dans tous les sports, les accidents. Dans la course automobile aussi.
L'autre jour, dans le journal, là, j'ai vu une photo d'un podium avec 3 coureurs. Mais les 3 étaient morts. On change de revue pour une minute. Pas question, c'est pas pour les filles. Hein? Quand c'est des bandes dessinées, tu les empruntes tout le temps. C'est pas pareil. Oh, les hommes, deux poids, deux mesures. Oh, je t'ai jamais fait ça. Oh! C'est folle! Oh, j'ai pris mon genre un peu, petit gars. Comment tu trouves ça? Je t'ai jamais fait mal comme ça. Je viens de payer le capital, puis. Les intérêts. Je pense que je commence à comprendre le plaisir du sport. Quand tu frappes l'adversaire, c'est comme une libération. Et Baudette est tombée au tapis! Et l'arbitre concède la victoire par KO, hein? Au scorpion blanc! Non? OK. Qu'est-ce que tu veux prouver? Moi, je comprends rien. Justement, tu comprends rien. J'ai rien à prouver, moi, mon cher ami. Qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu pourrais commencer par me laisser faire ce que je veux. Tu cherches toujours à prouver que les femmes sont surhumaines. Ça, je le sais. Ce que je veux entendre, c'est qu'elles sont bonnes. Bonnes? Bonnes à marier? Mais non, mais tu vas te battre toute ta vie pour ça? Tu penses que c'est facile pour nous? Pas plus facile pour nous autres. Vous autres, vous avez le bon rôle, hein? Pour nous, on parle toujours des grandes femmes. La commande est grande, puis c'est pas facile à remplir. Oh, t'es compliqué. Oui? Oui, patron? Es-tu décidé finalement pour cet automne? Non, pas encore. Mais il faut absolument que je prenne une décision, là, bientôt. Ouais. Pouvez-vous me laisser encore quelques jours? OK, mais vendredi, sans faute. OK. La pleine lune. Les esprits sont chauds. As-tu vu la belle grande française au plateau numéro 1? Elle était avec ses parents, mais... Comment j'aurais pu faire pour la manquer, hein? En plus, elle a 23 ans. Ça, c'est parfait. Moi, là, les filles qui sortent des magazines, là... Je sais jamais quoi leur dire. En plus qu'ici, à la TUC, on est un petit peu désynchronisés, hein? Imagine-toi, là... Avec elle, à la pêche. Avec ses gros talons hauts dans la garnotte. Qui veut d'une femme forte de toute façon? Une pierre aiguisée. Quoi? T'as acheté fatigué? Je serais même pas capable de couper une corde avec. Patrick? J'aimerais ça, aller sous le lac un peu. Ah, ben. Si tu fais ta part. Ben là, faut que je prépare le souper. T'as raison. Reste dans tes chaudrons. Non, non, laisse-moi faire, j'aime ça couper du bois. Es-tu malade? T'as même pas l'outil pour le faire, de toute façon. Ma grand-mère, elle coupait toujours son bois elle-même. Donne-moi ça. Ah, ben si tu tiens. Patrick, t'es pas l'imbécile? Ah non, pas toi aussi.
Non, c'est pas ça que je voulais dire. Allez donc faire un tour, là. Je vais couper quelques bûches. Ça va me changer les idées. Ah, mais pour ça, ça va t'échanger les idées. Commence pas avec les jeux de mots. Je changerai pas d'idée. N'inquiétez pas! C'est moi qui vais cuisiner quand même! Franchement, t'exagères! Ben, qu'est-ce que tu veux? Elle m'a pas laissé le temps de rien dire! Le mien. Oh, moi, je suis pas encore assez solide là-dessus. Bon, c'est facile. C'est juste une question d'équilibre. Allez, viens, je vais te montrer. Vas-y. Ah, ouais. Son et miel. Graisser un moule à muffin. Verser le mélange à muffin dans le bol. Ajouter un œuf et une tasse d'eau. Mélanger à la main. Hey, c'est dégueulasse faire des muffins. Moi, je trouve que... Elle et Luc... un beau petit couple, hein? Trouves-tu? Je vais aller finir de couper le bois. Laisse-moi faire, je vais te l'aiguiser, ta hache. Allez-y, faire un tour du lac. Mais si tu veux partir le feu, faut bien finir le bois. Ouais, laisse faire, je vais le terminer. Vas-y avec Mario. Bon. 2, 4. 8 boulettes. La moutarde, ketchup, des oignons, du fromage. Ça devrait être bon. T'aurais dû en faire 10 boulettes. Mais on n'avait pas assez pour en faire 10. Pourquoi 10? Ben, Superman, il doit avoir faim. Ah bon? Dans combien de temps ça va être prêt, mon vieux? Dans 5-10 minutes. T'as-tu besoin d'aide? Non, c'est correct. J'ai commencé, je vais finir. Oh, papa, c'est un amour des fois. Juste des fois? Non, pas juste des fois. Patrick. J'aimerais ça te demander un petit service. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Mais je me demandais si... si tu pouvais pas parler à ton patron à la radio.
J'aimerais ça prendre ta place si tu pars pour l'école. Prendre ma place? Mm-hmm. Ben voyons donc. Tu peux pas tomber animateur. Ben, je veux dire animatrice comme ça. T'es pas capable. Moi, ça prend pas un cours classique. Si tu veux le boulot, on va faire une application par toi-même. Non, mais pour qui tu te prends, là? T'es qui, toi, pour être meilleur que les autres? Quand t'as commencé la radio, là, tu bégayais à tous les deux mots. Puis t'as appris. Marie-Ève, là, ben ça me surprendrait pas qu'elle serait meilleure que toi. Mais là, tu trouves des excuses pour l'écraser. Bon, j'ai rien fait de mal. J'ai juste dit que... C'est pas la moitié d'une amitié qu'elle a besoin, elle. Elle, elle a toujours été là pour toi. Toi, tu la considères à moitié. C'est ta copine, mais juste quand ça fait ton plaisir, hein? Grandis donc un peu. Fais attention à mes clients réguliers, hein? Ton seul client régulier, c'est moi. Les affaires, c'est pas pour les filles. C'est n'importe quoi. Hier, t'as vendu un verre au curé, à moitié prix. T'es pas mieux. Tu penses que j'ai le choix? C'est lui qui m'écoute en confession. C'est pas une perte, c'est un placement. Va donc faire tes besoins. Moi, je vais faire la besogne. Je le savais, de tout but. Quoi? Quoi? J'ai tout vendu. Ah! Moi, là, si je suis pas accepté, là, c'est pas compliqué. Je vais à la première journée de classe quand même. Ben oui. Faire quoi? Ben, je pourrais leur dire que c'est une erreur. Ouais, t'as du front tout à coup? Ah oui. Hey, ces temps-ci, là, je me sens plein d'énergie. C'est une bonne idée que l'usine a eue de me renvoyer. Ça me force à regarder d'autres options. Je pense que c'est ça que je veux vraiment faire, hein? Retourner à l'école. J'ai hâte de te voir, toi. Il paraît qu'en théâtre, là, c'est bourré de filles. Ah ouais? C'est bien tant mieux. En cinéma, les filles disent toujours le contraire. Elles se plaignent que c'est toujours contrôlé par les gars. Ben, c'est vrai dans plusieurs cas, hein. Mais ça change un peu chaque jour. Même en politique, hein. Elle a dû travailler fort, elle, pour se rendre jusque-là. Madame la Première ministre. Là-dedans, c'est pas le Canada qui est le premier. Mais on n'est pas les derniers non plus, hein? Bon, de toute façon, c'est pas plus dur pour elle que pour un autre. Ben, je veux dire, je pense pas. Ça devrait pas. There's a place in my heart that I keep for my hometown, where everyone that lived there once is still walking around. Sometimes I go to find myself and it never seems to fail. I come back to life with the wind pulling tight on. C'est un peu comme toi, Mario, l'an dernier.
peut-être besoin de réfléchir un peu. Tu pensais deux fois avant de me décider. Tu pourrais toujours t'inscrire pour la session d'hiver. Ça ferait drôle de se retrouver tous les trois ensemble. Bah, tu vas voir, petit à petit, ici. Ce sera une traînée de souvenirs pour vous deux. Ça va quand même me faire drôle sans vous. Vous pourrez toujours vous chamoyer au téléphone. Puis moi, je vous séparerai en prenant l'autre téléphone. Tu fais quoi si t'es refusé, Mario? Ça arrivera pas. Ils vont m'accepter. Toi, Marie-Ève, si tu trouves pas d'emploi... J'en sais rien. Peut-être que tu devrais essayer d'autres choses que les fleurs. Ça me rappelle quand on était jeunes et qu'on partait à la pêche ensemble. Dernier appel pour les voyageurs en direction de Montréal. Attention, dernier appel. À quoi tu penses? Oh, mon père, il a pas arrêté deux minutes. Je sais que c'est moi qui vais prendre la dernière décision, là. Mais la pression est forte. Je me demande si je vais retourner juste pour leur faire plaisir. Ils ont raison, tes parents. Ah oui, tu peux bien parler, toi. T'as connu le travail puis l'argent. Il a fallu que je vende mon Jeep, moi. Mon père était tellement heureux. Qu'est-ce que t'aurais fait avec ce vieux cancer-là, de toute façon? En tout cas, moi, je suis content de retourner à l'école. Quelle heure est-il? 7h-3. On écoute un peu de radio? OK. Bonjour et bon matin. Ici Marie-Ève au microphone pour vous accompagner dans le café chaud de CFLM 1240. Avec l'été qui tire à sa fin, l'école qui va bientôt reprendre et les vacances terminées, si vous partez en voyage, soyez prudents. Gardez vos souvenirs d'été bien vivants et revenez-nous avant longtemps. J'aimerais souhaiter un bonjour à Patrick et Mario en route pour l'université. Even after all these years, I still think about those times. It brings me back a happiness that I thought I left behind.